chơi ông cô cho. The president, please be seated. The court is now in session. The co-prosecutor, we note you on your feet. You may proceed. Monsieur le coprocureur, je vous en prie. Your Honours, I just wish to request that at some stage today, please grant us 5 to 7 minutes to respond to the defense requests made in the morning before these witnesses came in. At any stage, not at this time, subject to your convenience. N'entre dans le prétoire. Cela peut se faire à tout moment, Monsieur le Président. But ông chủ nhiệm đây, nâng điểm chấm chun. The chamber notes your request and we will manage some time to entertain de vous donner la parole. The request. And we'll see when it's appropriate for your request to be made. Judges of the bench, would you wish to put questions si to these two witnesses, experts? Judge Silva Cartwright, you may now proceed. Judge Cartwright, je vous en prie. Thank you, President. Merci, Monsieur le Président. I have very few questions after your extensive statement this morning and the very useful responses that you made to my colleagues' questions. You mentioned in the course of your presentation this morning that the accused's superior, Son Sen, trained him in some psychological methods. Can you expand on that for me? Were these methods directed at enhancing the accused's ability to deal with the job that he had been given, or were they directed at his ability to cope with the job personally? D'assumer ce travail sur un plan plus personnel. Mr. Sunbaunat, I may now respond to your question. This morning I stated that Deutsch, before he became the teacher, mathematics teacher, he had gone through teacher trainings. Avait suivi une formation and in that session, he was trained on how to become a good teacher, but I did not mention that Sun Sen gave the lecture or trained him. So, teacher trainings are the courses to be given to the teachers to know how to teach students according to the psychology of each student. Et notamment en connaissant la psychologie des étudiants. Thank you. Clearly, I misunderstood the context of your comment. J'ai mal compris le contexte de ce que vous avez dit ce matin. This morning, you mentioned that the accused suffered from a variety of psychological issues, although you have made it clear that he has no psychiatric disability then or now. The combination of the psychological problems, such as disempathy, splitting, alexithymia, are these qualities found in the general population singly or in combination, such as you found them in the accused? Conjointement parmi la population générale. Réponse. Since I have encountered or
with several Khmer Rouge leaders, I have noted that j'ai pu constater those people have shared concernant plusieurs dirigeants common behavior, and there is no sign of remorse or regret ever shown from them. Remords ou aucun regret. So when we asked them in depth about the work of the revolution, then they would be reluctant to respond to us, or they didn't answer our question at all. Ne répondent pas du tout à la question, I met ou sont plutôt réticents. Some former general of the regime, the questions of their work during the Khmer Rouge regime, but they did not respond. And I believe that because of the ideology, the discipline, and the way of life, those senior Khmer Rouge leaders seem to enjoy this behavior and share this common behavior. Valoriser ce genre de comportement. Were these psychological factors so overwhelming in the accused that they resulted in him being unable to react more normally to everyday situations around him, such as the conditions that have been described at S21? Et par exemple, à ce qui se passait à S21. Response. I do not have a good grasp of the conditions at S21 that I may ask you to please tell us a particular condition that you are referring to here. Plus précise quant à ces. For example, during the testimony that we have heard, a number of witnesses have spoken of hearing screams of those being interrogated, have noted obvious signs of injuries, have noted obvious signs of malnutrition in the detainees. Thus far, the accused has said that using the reason that his physical proximity was not always close to the detainees, that he has not noted any screams, for example. So what I am asking is whether the combination of psychological factors could prevent a person in the accused situation from noting such conditions at S21. Response. I find it difficult to respond to the question because Deutsch already stated that he was not that close to the detainees, which made it impossible for him to know to note the conditions. And we can ask how far was the accused from the detainees, and whether the detention facility, the windows, the doors were open to allow people outside the premises hear the screams of the people being interrogated. So if Deutsch did not work somewhere close to the vicinity, but if the building windows opened, he could have heard the screams of the detainees. However, he could have been
working far from the premises, could not make it possible for him to hear the screams or the condition of the people being interrogated, or maybe the building's doors and windows were locked and closed, that noise could not be heard outside. But I find it difficult, however, to detail this information. Madame le juge, si vous le permettez, vous avez évoqué, dans votre question, il y avait les aspects, soit-il qu'il y ait une participation psychologique. Et je voudrais vous dire que dans la psychologie des situations extrêmes, des auteurs de faits criminels qui ont comme mécanisme de défense ou d'adaptation le déni. Jusqu'à ma connaissance, on n'a jamais vu de cas de déni où la participation des organes sensoriels aurait été muette. On a décrit des cas de cécité psychique, en ce qui concerne l'audition. He was not made deaf because of this. And one final question. Une dernière question. You have spoken of his psychological desire and put it also into a cultural context of wishing to please his superiors, and indicated that this is a factor in him working to excel at the task he was given. Is this a more marked tendency in the situation that the accused found himself in than in, say, an everyday example of an employee who is terrified of losing his job, wanting to do everything he can to please his boss? Ce qu'il peut pour plaire à son patron. Assurément, nous sommes dans des situations d'un autre registre où la peur de la mort était présente, et notamment chez l'accusé également, qui a vu des mises à mort, qui a vu Bornvet notamment, son supérieur être mis à mort, et il s'attendait à la mort, notamment les derniers temps, et en tout cas depuis 77, il vivait avec la certitude que la mort serait son destin. Vous avez évoqué la question de l'obéissance, d'un comportement avec son comportement avec ses supérieurs hiérarchiques. Je tiens à dire, peut-être avant de donner la parole à mon collègue, pour aussi peut-être la dimension culturelle, que ces situations-là d'obéissance ont été décrites en dehors de la situation du Cambodge, c'est-à-dire que chez les autres, dans la criminalité politique, chez d'autres auteurs de crimes pour lesquels il est jugé ici, on retrouve ce type de comportement aussi, d'obéissance, de peur, de désir, de plaire, dont l'origine peut être multiple. Dans le cas de Duc, nous avons discuté avec mon collègue l'hypothèse de la restauration d'un père, aussi de son propre père, ce qu'il a évoqué à un moment donné, l'année dernière. Il a évoqué aussi la reconnaissance, il voulait rendre la reconnaissance à son père
chose dont nous avons discuté la semaine dernière et dont il ne semblait plus se souvenir. Mais la question du père, de l'accusé, et puis de sa relation avec lui, est aussi présente in our explanations of this phenomena that we are talking about now. Et la recherche, par rapport à la question des maîtres, mais je crois que ça a été évoqué ce matin dans la déposition aussi, l'idée de rechercher à restaurer aussi l'image de son père à travers la recherche des maîtres et aussi la transmission d'un modèle qui se fait à partir des maîtres, mais là, je vais peut-être laisser la parole coming from the masters, and then I will let my colleague expand on this. Dr. Sunbaunat, I may add. Oui, je peux ajouter. In Cambodian tradition and dans la culture, tradition, dans la culture cambodgienne, and customs, it is very genuine that everyone is supposed to pay great chacun respect to their mentor or teachers, and parents are regarded as teachers. Et les parents font partie de and ces normally teachers éducateurs are very kind, normalement, and they would educate people to know how to live the morale vivre, and ethical code morale, of conduct, and that's why we have the tradition of showing great respect to our teachers. Although the teachers get very old, then we have to pay them visit and offer them some offerings like professeurs devenus money âgés, or whatever we can ou faire, des do cadeaux, to des offrandes offer them. Sous la forme d'argent, so normally teachers are much respectful. Normalement, les éducateurs sont donc très respectés. However, in the case of the accused, cependant, dans le cas de l'accusé, although his superior, who was his former mentor, son supérieur était aussi teacher, son but ancien as a superior, mentor, who is superior to him, of course. And in the communist regime, the superior could be regarded as an anchor. So, in a situation when he was obliged to kill his colleague, Von Wade, so he had only two choices, dans le cas de Von to kill or to be killed. D'autres choix que so de tuer ou d'être tué. Survive, et pour survivre, to choose, il a donc to kill choisi de tuer. The other. And the other point is that his role as the member of the party, of the l'accusé party center, membre du so parti, he was the role model, the person who was absolutely determined, membre du and centre as du parti, an absolute était en tool un modèle, for the party. Mais l'accusé était lui-même un instrument absolu entre les mains du parti. For that reason, as a tool, or the tool for the absolute tool for the party. Et en tant que tel, he was supposed like a machine, the machine that had to be machine, had to work according to the orders and instructions. So une he had to work to receive the assignments that he cannot contest or il could not contest. Des instructions qu'il and ne then contester. He also faced the situation that I mentioned to et kill il s'est retrouvé or dans cette situation, il a dû choisir de thank tuer you ou d'être tué. Merci. Thank you very much, Professor Carr and Professor Sironi-Guilbaud. President, Madame, I have no further questions. Je vous remercie, Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres questions à poser aux experts. Je vais continuer.
the president. Next, the chamber would like to give the floor to the co-prosecutors to put questions to the experts. Co-prosecutors have 1 hour and 15 minutes to put questions. Co-prosecutor, thank you, Mr. President, Merci, Your Monsieur Honours, President. And good afternoon. Bon après-midi, Mesdames, Messieurs. Mrs. Sironi-Guilbaud and Mr. Sunbaunat, in your report, Madame Sironi, Monsieur Sunbaunat, dans votre rapport. Page 15, à la page 15, it was an occasion that the detainees were made to fight one another. L'on parle d'un incident. But when we asked détenus, him about this, then he would not respond, but he said he would meet his clergy first. However, it is very general that in other detention facilities around the world, the reason they separate detainees were to make sure that detainees were not able to contact or to communicate one another. Que les détenus, pour être sûr de briser so, toute solidarité entre les détenus. Please tell the court c'est ce que vous expliquez dans votre rapport et j'aimerais maintenant que detention facility that the chief of the detention facility allowed detainees to beat one another. And we found out that in the report it was possible. And how could the experts come up with this finding and why Deutsche did not respond to your question and that he insisted he would like to meet his pastor. Je vous remercie, Monsieur le Procureur. C'est une question importante parce qu'elle est restée jusqu'à ce jour, irrésolue dans la mesure où la semaine dernière, nous ne lui avons pas reposé la question. Il est vrai que nous avions l'intention d'y revenir, de lui demander s'il avait vu son professeur, mais nous n'avons pas fait. We haven't done so. We dealt with other points, so that took more time. Je ne pourrais pas vous dire pourquoi il nous a répondu ainsi. Je peux simplement témoigner du fait que cela nous a surpris. Nous lui avions dit au début de l'expertise qu'il avait également le droit de ne pas répondre à certaines questions s'il le souhaitait. Et cela faisait partie des questions. C'était une des questions où il a effectivement éludé. Un confesseur, par définition, on ne peut pas savoir ce qu'il dit à un prêtre, mais on pourrait éventuellement le comprendre ainsi, dans la mesure où l'accusé est devenu chrétien, insofar that the accused is Christian. Je crois qu'il est évangéliste, il n'est pas catholique, je ne sais pas si il ne connaît pas si bien s'il y a une confession dans cette, parmi les évangélistes, là je m'excuse, mais peut-être probablement souhaitait-il dire qu'il ne voulait pas répondre à la question, qu'il voulait d'abord s'en ouvrir à un homme de religion. Talk about this with someone with a religious figure. Peut-être que les hommes de religion, je ne sais pas ce qu'il leur a dit, nous n'avons pas abordé cette question parce que, par respect pour ces hommes de religion, nous n'avons pas à savoir ce qui s'est dit sous le sceau du secret de la confession. Donc nous n'avons pas poursuivi. Donc ce n'est pas à nous d'essayer de bring to the open what was said. Uh,
The prosecutor, thank you. The follow-up question is that on page number 15 of the report, toujours à cet endroit du rapport, it states that in other detention facilities, il est dit que dans d'autres centres de détention, detainees were dans le monde, page 9 du rapport asked français, to beat one another because the chief of the detention facility wanted to stop them from communicating or contacting one another. Pour éviter une complicité so entre deux my détenus. Question is, how could the chief of the detention facility do to make sure that detainees could not really communicate with one another? Comment peut faire le chef d'un centre de détention pour obtenir cet effet? Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris votre question. Quand je vous parle des autres centres de détention, je pense aussi aux témoignages, notamment de beaucoup de victimes que nous avons soignées au centre, notamment à Paris, au centre Primo Levi. In our Primo Levi et il est, center, il est aussi fréquent. It is also frequent dans d'autres centres, en discutant avec des collègues, il y a aussi écrit. C'est beaucoup plus rarement décrit, mais ce sont surtout les victimes qui en parlent. Alors, je ne sais pas si je comprends bien votre question. En tout cas, l'objectif pourrait être, je mets un conditionnel, quand deux personnes se battent, quand deux personnes se font du mal, et si on oblige ces personnes à se battre, on peut aussi donner des indications. J'ai des tas d'exemples dans la tête de témoins qui m'ont ensuite dit qu'effectivement, à cause de la douleur, à cause des coups qui ont été donnés par l'autre, la douleur qui a été ressentie, même si les personnes à qui on a sur lesquelles on a fait ce genre de choses, même si elles comprennent l'intentionnalité du bourreau qui leur a demandé de se battre, pour certains d'avoir des relations sexuelles, mais là on parle de se battre, eh bien il reste une colère, une animosité contre l'autre du fait qu'il lui a fait mal. Et c'est donc une inscription, cette inscription de la douleur dans le corps fait également une inscription psychique qui peut amener quelqu'un à détester l'autre ou à ne pas avoir de connivence avec l'autre. Je tiens à rappeler à M. le procureur que lorsque cette question lui a été posée l'année dernière, à savoir est-ce qu'il peut nous en dire un petit peu plus sur son intention, effectivement, il n'a pas obtenu de renseignements de sa part au sujet de l'intentionnalité et de la véracité neither regarding the truth of this event. Co-prosecutor, thank you. Merci. On page 48 of the report, in the first paragraph, page 48 du rapport en Khmer, you analyzed and concluded that the giving up of Buddhism comforted the feeling of Dogen. And if he were to maintain Buddhism, then his feeling would be running in circle, and that he had to celebrate more ceremonies for the Buddhism, for his feelings to be comforted. Would be able to shed light on this point, why you concluded in such fashion? Does the change of religion from Buddhism to Christianity, and when he became a Christian, his feeling was detached from the current feelings and from the sins that he committed in this world? Détaché des péchés qu'il a pu commettre dans ce monde?
rapport sur le bouddhisme. D'accord, très bien. Professeur Sironi-Guilbaud. Sur le... quitter le bouddhisme, mon collègue vient de me dire qu'il en parlera, qu'il précisera après, qu'il complétera. En ce qui concerne sa conversion, ce matin, nous avons évoqué les raisons qu'il avait données et celles aussi que nous avons essayé de comprendre ensemble, analyser ensemble avec, avec mon collègue. La conversion, la religion, la conversion dans le christianisme a comme effet, non pas de laver les péchés ou ce qui s'est passé dans le passé, mais une conversion suppose une renaissance, le baptême. Dans le baptême, il y a l'idée d'une nouvelle naissance dans la communauté chrétienne, premièrement. Deuxièmement, dans la religion chrétienne, ce que nous en a dit Dutch, et on le cite, ce qu'il y a trouvé, c'est qu'il était important, c'est, il nous a dit que Dieu l'avait, lui avait, je n'ai pas sous les yeux, excusez-moi, que Dieu lui avait... lui avait donné la grâce. Nous avons beaucoup discuté autour de cela, de la question du pardon aussi, mais ce qu'il voulait dire, c'était que finalement, dans la religion catholique, Dieu est amour. Et donc, les pécheurs comme les non-pécheurs sont admis dans la religion, sont fils de Dieu. Voilà. Et peut-être que c'est un élément aussi qui a été important pour lui dans son cheminement, peut-être pour éviter le cycle du karma dans la religion bouddhique, mais là, je ne veux pas en parler. Voilà. Expert. Buddhism is a religion where each individual is educated and preached to commit good acts. Qui enjoint although parents de commettre des actes bons, commit good acts, their good deeds cannot be used in exchange for the bad acts committed mais by les their bons children. Qui sont commis ne rachètent pas les actes if mauvais commis par Buddhist exemple par follower, les enfants. Et relies on his own act, du bouddhisme, he cannot avoid karma if his actions karma, prove otherwise. Si ses actes n'ont he would receive bon. Whatever his actions il y a show. Rétribution Dutch also en fonction des actes said, commis. After donc, deep thinking and pondering, only Christianity where et avoir conclu the God que le christianisme forgives the sinners, la seule religion où Dieu pardonne le pécheur, who believed in him, qui croit en lui. Therefore, he made his choice to convert himself ce qui explique from Buddhism to Christianity with a strong belief that he would be detached from the karma or sins that he committed. À son karma. Et aux actes with the qu'il a commis, forgiveness from the God. Et il pense obtenir le pardon de Dieu. In the Christianity religion, dans la religion chrétienne, where such forgiveness does not exist in Buddhism, alors que ce pardon and that pas only dans le the person himself que la personne commits good act, and that good act would supersede the bad act he commits. Mauvais ou bon, mais les actes bons qui sont commis ne rachètent pas les actes mauvais. Co-prosecutor, thank you, Mr. and Madam experts. On page 50, paragraph 4 of your report, you analyzed and concluded that Deutsch was so obsessed and that is the key factor for him to become a core person of revolution. Can you explain further to the chambers
révolutionnaire. Est-ce que vous pouvez nous donner type plus de détails? What type of idea or notions that he held on to that make him too obsessed or extremely obsessed? Qu'il est devenu obsédé with the cruel, with the cruelty and barbarity that he committed. Et les actes barbares auxquels qu'il a commis. Monsieur le procureur, il y a peut-être, je crois que nous sommes deux à ne pas très bien comprendre, non pas votre question, mais peut-être il y a eu, c'est sur le terme obsédé, je ne crois pas que nous ayons souvenir avoir utilisé ce terme, il y a peut-être eu c'était peut-être l'effet de la traduction. Est-ce que, si obsédé, est-ce que vous faites référence peut-être au... au fanatisme ou à sa conviction en tant que révolutionnaire. Je n'ai pas très bien le contexte et je m'en excuse. In the context that I would like to have you shed light on, it is in the Khmer translation on page 50, paragraph 4, which states the analyst said Deutsch was obsessed, and with that obsession, he became a core. Était revolutionary une personnalité person. Obsessionnelle et à la suite de cela, il est devenu une des personnes qui a le plus participé au Khmer Rouge. Les interprètes regrettent, mais ils n'identifient pas le passage dont il est question. Il s'agit d'une traduction libre. If you cannot shed further light on this, let me move on so that we do not waste time. It could be a technical issue related to the translation in the Khmer version, and it may not be consistent with the French translation. My next question for you to is that on page 56, à la page 56, paragraph 2, au paragraphe 2, it reads, il est dit, based et je lis, on the analysis of the statements of the cadres and the interrogators at S21, interrogations methods they implemented was the result of Deutsch training on them based on the several ideas, based on the internal view of the individual. La perception individuelle de l'individu. As an expert, would you be able to explain to us the notion of this conclusion of the internal view of each individual, as you stated in your report? La vision interne telle qu'il est mentionné dans votre rapport. La référence en français. Excusez-moi, pourriez-vous juste rappeler la fin de votre question? Could you just remind us of the last part of your question? Because I think there's a real problem between between the translation and the text. Dambay kam aoye mien ka pibak na khong ka. Monsieur le co-procureur. I think in order to save time, let me further read other parts of the report. Mieux si je lis des extraits pour la chambre. It is also related to your psychological assessment report. It's on page 120 in paragraph number 2. You wrote that the regime was nearing an end, and Deutsch slept day and night due to his despair. Dormi et ceci était à la suite de son désespoir.
And based on that paragraph, sur la base can de you ce explain to the chamber est-ce que vous the reason la chambre de première instance why toward the ending of the regime prisoners were not transported to S21 and execution was not carried out? And why Deutsch was in despair and slept day and night? I hope my question is clear enough for you. Jour et la nuit. Est-ce que ma question est suffisamment claire? Oui. La dépression. Response. Réponse. I think 1 week before the Vietnamese troops entered Phnom Penh, the workload was reduced. La charge de travail a été réduite. And it's the same for the prisoners. There were few prisoners brought in. And why Deutsch slept day and night in despair and that he had no strength to carry out his work? C'est parce qu'il n'avait pas la force de faire son travail. This is a situation where his role in the regime would be lost, and then he would not know what his future would be, particularly what his life would be, as communication was also lost. He responded further that when Anka evacuated them, there was only his unit and one of the radio broadcasting unit remained, and that these two units did not receive any further information regarding the evacuation or fleeing from Phnom Penh. And when the Salvation Front and the Vietnamese troops entered Phnom Penh to overthrow the Khmer Rouge regime, he did not know anything about that. Il ne savait pas ce qui se passait. Ou il n'a pas su ce qui se passait. In addition, his detention facility was to serve the purpose of anti-Vietnamese. L'objectif de détention était en fait justement pour servir contre and this sudden change et ce changement made him depressed, a fait qu'il est devenu and that he was in despair. Qu'il était déprimé et qu'il souffrait de désespoir. This is a typical sign of depression experienced by him. That is, whatever used to be normal suddenly stopped or changed, and that he was in a stage of uncertainty of what to do next. He lost his contact, and he was in the middle of a situation that he had nothing to hang on to. Où il n'y avait rien auquel il pouvait s'accrocher. Si vous permettez, Monsieur le Procureur, j'ajouterai également que ce que vous avez évoqué tout à l'heure en disant qu'il était obsédé. En fait, il s'agissait d'obsessionnel. Nous avons dit ce matin que Deutsch était quelqu'un de méticuleux, de pointilliste, de perfectionniste. Et une issue, lorsque la pour une personnalité obsessionnelle, donc méticuleuse, précise, pointilleuse, rigide, qui fait, qui veut très très bien faire son travail, et là, quel qu'il soit, mais lorsque le mécanisme psychologique de l'obsessionnalité n'a plus raison d'être, eh bien, l'issue possible, c'est la dépression. Parce que cela donne un cadre, un obsessionnel est quelqu'un dont sa rigidité lui donne un cadre de vie. Cette dépression, c'était également dû à un relâchement aussi des doutes qu'il y avait d'un côté, du zèle de l'autre, et surtout de ne plus comprendre la ligne de l'encart. Dans les derniers, alors je ne
peux pas vous situer précisément en termes de mois ou peut-être d'années. Tant qu'il pouvait situer et se situer dans la ligne de l'Ankar, cela lui convenait, si je puis dire. Mais les doutes et son mal-être augmentaient lorsqu'il n'y avait plus de lisibilité dans la ligne de l'Ankar. N'avoir plus de lisibilité est quelque chose de très marquant psychiquement pour quelqu'un qui a une personnalité obsessionnelle. On sort de après la conséquence, c'est le relâchement. Le sommeil devient une fuite parce qu'on cherche une nouvelle solution et tant qu'on ne l'a pas, une solution de vie, une stratégie d'existence, on dort. Dernière possibilité aussi, c'est le fait que l'ensemble de son travail, si je puis dire, nous sommes ici pour comprendre, enfin pour analyser, en tout cas, la fin. Du régime, c'était aussi une mise en cause de l'ensemble de son travail, enfin, la fin, le disait mon collègue, de l'ensemble de son travail. Et c'était des raisons pour lesquelles il pouvait beaucoup dormir, le sommeil étant un équivalent dépressif. Response. Let me just add, question du procureur. Through our experience, this type of symptom realized when the Khmer Rouge soldiers attacked and entered Phnom Penh on the 17th April 1975. Majority of the urban residents was shocked, taken aback, lost all the strength, and could not do anything besides sleeping and lay in one place with despair. Thank you. Co-prosecutor, thank you for your response. Je vous remercie pour votre réponse. Also, in your report, dans votre rapport, on page 121 in the Khmer language, in paragraph number 4, Khmer, you wrote that Doj still utilized in order to protect himself. In that sense, can you explain to the chamber the facts which show that Doj utilized a mechanism of lies to make himself survive or to protect himself? Response. In our report, we stated that Doge did not respond, or that he tries to avoid the question, or in the technical term, denied. And this does not mean lie. Cela ne veut pas dire mentir. Oui, c'est pour ça que je rejoins aussi, encore une fois, une difficulté que nous avons, c'est le manque de contexte. Nous avons évoqué le mensonge, nous avons évoqué le déni, mais on ne voit pas dans quel contexte, compte tenu du fait que nous n'avons pas la version Khmer sous les yeux. Co-prosecutor, thank you very much. I think it could be a problem of a translation. It can be found in paragraph number 4 on page 121 of the Khmer version. Let me move on with my last question before I provide the floor to my international colleague. Mon collègue international.
through the testimonies of the witness KW 31 and Chan Vuon on the 20th of April 2009, which state the accused was overjoyed, laughing while he was beating up a victim or a prisoner or a detainee. In this context, and as a psychologist, what would be your assessment and analysis within this context? Votre analyse de ce contexte et de cette situation. Alors, l'accusé riait, donc le témoin disait l'accusé riait, était de très bonne humeur. Bien sûr, il ne nous a pas parlé ainsi de lui lorsque nous l'avons vu. On pourrait mettre cette description donc de doute sur le compte de ce qui a probablement de ce qui a déjà été évoqué ce matin, à savoir la désempathie, c'est-à-dire le fait de considérer l'autre comme un ennemi et donc de ne pas être sensible à la douleur ou à la situation de terreur, de douleur qui est infligée à un autre. On peut aussi évoquer, comme nous l'avons fait ce matin, on avait parlé de perversité, le fait qu'il puisse, dans cet exemple-là, le fait qu'il puisse être soit satisfait dans son système de référence d'un travail bien fait, pensant que les prisonniers étaient ce qu'ils méritent, mais nous ne savons pas si ce rire est à mettre sur le compte d'un plaisir que pouvait prendre Dutch, avoir souffrir un autre. Cette notion de plaisir dans la souffrance donnée par un autre peut être évoquée, mais on n'en est pas. On peut supposer, on ne peut pas avancer davantage. En tout cas, notre expertise dans ce que nous avons vu, dans tout ce que nous avons examiné, ne nous permet pas de conclure ainsi. Unclear on one topic. During our interview with him, we did not receive this information or the testimony. We can only provide our advice once we know all the circumstances related to that prisoner. Why he was detained, for instance, and what did he do to upset, for instance, the revolution of the Khmer Rouge, and what was his relationship with Deutsch or Deutsch superior. And during the time of the beating up by Deutsch on that victim, who witnessed the scene, and why Deutsch was in such a good mood and laughing. So, without the context, it is difficult for us to provide any further report or opinion. Thank you, Mr. and Madam Expert. And Mr. President, I do not have questions, and I would like to give the floor to my international colleague, the President, the International Co-Prosecutor. You may now proceed. Thank you very much, Mr. President.
And thank you very much, experts, for a very erudite report, which I'm sure will help this chamber in determining as to what happened in S21 and in what context, and the extent of guilt, if at all, of this accused for those crimes. You've been very extensively examined by the chamber. Your report was very erudite and detailed, so I'll not have many questions. And I'm not a psychological expert. I'll still try to ask some very simple questions in order to assist this chamber in the determination of the matters that it has before it. So I'll just read about a dozen questions, if time permits, otherwise less than that, and seek your opinion on that. You quoted Doig as saying that he had teaching in his blood. Therefore, would it be correct to say that all his life he's been a teacher, a very dedicated mathematics teacher before joining the revolution, a very dedicated teacher at M13 and S21 to his subordinates in the art and science of interrogation, torture, detention, and thereafter, till he was arrested as a teacher of mathematics and other things in China, in other places on the Thai border. Would it therefore be correct to say that teaching is the hallmark of his life? Est-ce qu'il serait juste de dire que l'enseignement c'est bien ce qui caractérise l'élément caractéristique de sa vie? Oui, Monsieur le Procureur. Francoise, Sironi-Guilbaud, yes. En tout cas, je peux ça, être que... certaine, vous êtes, nous sommes d'accord. Oui, oui, we agree with you. Would it also then be correct to say that, like a very good student, he respects his teachers and mentors, but like a very strict teacher, he ensures discipline, control and obedience amongst his students and those he controls? Il veillait aussi à bien contrôler et à veiller à ce que la discipline soit mise en place pour ces personnes. Les personnes qu'il enseignait, c'est ça? Mrs. Sironi-Guilbaud, the people he was teaching? Yes. Oui, en effet. Alors, nous n'avons pas posé la question directement à l'accusé, mais nous avons abordé longuement le thème de l'enseignement et de la transmission, de l'importance de l'acquisition de la connaissance et de la transmission des savoirs. Effectivement, un bon enseignant, quelqu'un qui se veut un bon enseignant, un pédagogue, prend soin il veille sur son cadre d'enseignement. Je répondrai oui à votre question. So I would say yes to your question. Thank you very much for that clarification. Now, after joining the revolution, which he claims to have joined voluntarily out of an idealism for communism and leftist ideology, he was detained for 2 years in the jail. In the jail, when he was detained, he said, and you have quoted, he lived in fear every day and was afraid of death as he saw prisoners being taken to their death. Would it be therefore correct to say that this experience of the accused fashioned his treatment of his prisoners and his work at M13 and S21? Façon dont il a traité les prisonniers par la suite?
Peut-être que vous évoquez là la question de l'origine de sa formation, des méthodes qui ont été utilisées. Ce sont des questions que nous avons abordées avec l'accusé, mais nous n'avons pas réellement pu conclure à cette question que nous sommes également posée. Puisqu'il a évoqué à plusieurs reprises aussi l'influence des Français qu'il avait appris, de la manière dont les Français battaient ou maltraitaient les Vietnamiens, mais on n'avait pas pu éclairer davantage cette question. Par contre, ce que l'on peut dire, c'est que d'avoir été maltraité nous a fait penser aussi à la possibilité d'une organisation traumatique, de sa personnalité, c'est-à-dire que le fait d'avoir été maltraité soi-même peut amener, je dis bien ce n'est pas un automatisme, peut amener aussi dans certains cas à être zélé et à donner un soin extrême à la maltraitance d'autres personnes dans les mêmes situations. Docteur Sunbaunat, it is true that the accused was detained for 2 years. L'accusé a été lui-même incarcéré pendant une période de 2 ans sous le régime de l'ONNOL. But what is more important for the accused is that the revolution movement, the movement to help the poor, the notion that he has been determined to maintain. Since he joined the communist movement of the Khmer Rouge, he was entitled the M13's chairperson and le chef de M13. He was compelled to accept the post because he was not happy to take up the police work. Alors qu'il n'était pas très heureux au départ de savoir qu'on fait des fonctions de sécurité. Tool for the party, mais étant he was in a situation that he could not contest, où il n'a pu objecter, take the assignment. Et a dû accepter la mission qui lui était confiée. As a person who got used to doing the best thing, if he had to do it, otherwise he would not do it. Then his commitment at M13 was an opportunity for him to search for the tactics to interrogate detainees and to detain them. However, the work was not very successful because detainees, some of them could manage to grab the weapons from the guards and escaped. He, at that time, thought that he would be removed from the post because of committing such a mistake by allowing the detainees to grab the weapon to attack the guards. But his post was not changed. Il est pourtant resté à son poste. And he tried to challenge the offering of the post, but plus tard, il a voulu during the communist regime, the policy was very firm and strict, and that it could not be challenged. So he had to be compelled to really stay put to the duty and trained the other to. So he had to be committed that as a person who oversaw the facility, he had to make sure that no mistake or margin or room for error had to be made. Et qu'aucune marge ne soit laissée and his subordinates
and he himself was not really allowed to pay a visit to his relatives because he had to spend most of his time or all the time at the facility. I hope I answered to your question. If not, then you may please ask us for more clarification. Thank you very much for your answer, Professor. I shall go to a slightly different, but in the same continuation of time issue. You have mentioned in this report, in your report, and it has also been discussed this morning in this court, that towards 1978, Doig became afraid that he himself may be killed at S21 because he saw his professor Von Wett being sent to his death. If this was the case, if he was subjected to such fear, why do you think he continued with the Khmer Rouge movement till the late 1990s, where at least some of that fear, if not all, must have diminished? Une partie de cette crainte, sinon cette crainte tout entière, devait avoir disparu. Dr. Sunbaunat, thank you, Mr. Co-Prosecutor, for putting this question to us. I also put the same question to Doig. Je me suis posé la même question, je l'ai posé à Doig. I asked him after 1973, when he was committed and voluntarily joined communist movement. Le mouvement communiste après he said 73, that he was betrayed alors qu'il because nous he avait dit qu'il noted s'était senti trahi. The form of activities of the communists who actually at the beginning promised to find happiness for the people, but later on they tend to kill people, to make arrests. Ils avaient en fait and surtout he said arrêté et tué. That it was too late to withdraw himself from the movement. It was like what his mentor used to tell him, that a politician is like a gear of a machine, of a whole system. If anyone screw was to be removed from si the whole mechanism, then the machine would collapse. Otherwise, it would not happen. So, since the movement of communists was fast moving, he could et not manage to remove himself vite, from the part of the system. And when he noted that Von Wett was executed, jour, he was subjected to fear because he himself knew for sure that Von Wett was a very loyal person. Von Wett était but en fait, he de très ended loyal up being killed. Au régime, so pourtant, été he could ask himself, tué. It was just a matter of time that he would too be executed. Son tour d'être exécuté. So he was of the opinion that if he withdrawn, it would be more dangerous than being than remaining in the movement. So instead, he had to show to the party or to Ankar that he had been very honest and to avoid being implicated. And I think this is a reasonable accuse or reason to live up with such situation because everyone during the regime would be put under great surveillance and no one could escape. Surveillé. Personne ne pouvait échapper à cette surveillance. Can I ask this question to Professor Sironi-Guilbaud? If somebody was to be in fear during the time he was heading a security center of the kind of S21, a fear of death, yet during those
3 years, 8 months, et que pourtant, durant ces trois few days, he would get married, l'intéressé se procreate marie, two children during that time, fait deux enfants, have visits from your mother and father, reçoit des visites de sa mère while de at the son same père. Time, people were denied their right to life, pendant que they were being tortured, à la vie, children, sont torturés, women, pendant que des including femmes, pregnant des enfants, women, et des femmes were being killed. Sont tués. What mentality would this demonstrate quelle peut être of that person? La mentalité de cette personne. Je Dr. Sironi-Guilbaud, de l'occasion de votre question, qui est tellement grave, juste, pour rappeler encore une fois la pensée que l'on peut avoir en tant qu'expert pour les victimes qui écoutent notre déposition et ce que nous avons à dire aujourd'hui, parce qu'en aucun cas, lorsque des experts sont présents à la barre et qu'ils doivent expliquer le fonctionnement psychologique d'un individu qui est un auteur, eh bien, nous sommes neutres, je tiens vraiment à le dire, mais c'est notre rôle aujourd'hui, comme ça pourrait être demain, d'expliquer ce qui se passe dans la tête de victimes, mais je tiens à le rappeler. Alors, pour répondre à votre question, bien évidemment que nous sommes aussi posé la même question, mais on retrouve un fonctionnement, un mécanisme psychique habituel chez ce type de personne, à savoir, on peut être à la fois, comme on dit, bon père de famille, et à la fois savoir qu'il y a des enfants qui sont tués dans le centre de détention. Comment expliquer cela? Le mécanisme psychique que nous avons parlé ce matin est lié effectivement au clivage. On compartimente des parties de soi, on compartimente, on refuse de se poser des questions sur des sentiments qu'on pourrait avoir. On n'en a pas dans la mesure où l'autre est déshumanisé puisqu'il est considéré comme un ennemi, et y compris les enfants. Donc c'est à la faveur de ce mécanisme psychologique-là, de la désempathie également, de considérer l'autre d'abord comme un ennemi, que cela est possible, et puis on cloisonne, c'est-à-dire rentre chez soi, et on a notre vie. Et la dernière chose, le procureur, c'est aussi, il ne faut pas oublier qu'avant tout, c'est un homme qui avait une idée très haute de ce qu'il faisait, c'est-à-dire de servir le communisme, et qu'il était toujours l'encart, et qu'il était toujours persuadé que tout ce qu'il faisait, c'était pour le bien commun de l'époque, c'est-à-dire pour le bien de Ankar. Because my time is limited, can I shift to another question, which is very relevant to your presence here, as to the expression of guilt, if any, and the expression of remorse by this accused. Now, a lot of civil parties who are victims have come and told this court that they have not forgiven this accused because they do not accept his remorse. And to my mind, there can be two kinds of remorses. A general remorse that I'm sorry for the crimes of the Khmer Rouge, je suis désolé pour les crimes commis par and a specific individualized remorse that I'm sorry for the crime of a victim of my crime. Can you tell us the importance of a victim? And now please put yourself into the shoes of a victim and analyze his personality as to what kind of remorse would he or she would expect from an accused of a crime with which he is directly affected. D'un accusé dans les circonstances qui sont celles de ce procès-ci. Le genre de remords qui sont attendus, c'est le fait de pouvoir se mettre à la place des autres véritablement.
peut-être que les victimes n'ont pas eu le sentiment que Dutch pouvait réellement éprouver, penser inconsciemment ce qui leur était, arrivé et leur souffrance aujourd'hui. Nous avons expliqué aussi les mécanismes psychologiques de l'accusé ce matin, et nous avons aussi parlé d'une évolution des mécanismes psychologiques. Et tout ça pour dire aussi qu'il y a des manières, il y a une évolution aussi dans la prise de conscience. Et je voudrais dire que la manière qu'a Dutch aujourd'hui de s'exprimer au sujet des victimes n'est pas la même qu'il y a quelques mois seulement, et c'est ce dont nous avons observé aussi la semaine dernière. Autrement dit, quelqu'un ne reste pas figé dans une manière de considérer les victimes. C'est aussi quelqu'un qui avance et qui sort de cet état de désempathie. Do you think remorse without expression of complete guilt about the crimes against that victim is of any consequence of unburdening that victim? Sont vraiment un soulagement pour la victime? Certainement pas. Bien sûr que non. La question du remords et de l'expression de la culpabilité, nous avons longuement réfléchi aussi avec mon collègue pour parler aussi de la question de la fabrication Khmer Rouge, de ce qu'il en restait chez lui, et également la question culturelle de l'expression donc de ces remords ou de cette culpabilité. Ce qu'on attend, notamment dans la conception occidentale, notamment de ce type de criminel contre l'humanité, enfin c'est pourquoi l'accusé est ici, on attend à ce qu'il y ait une manifestation de la culpabilité. Elle peut se manifester de différentes manières, par une très grave dépression, par moments par des équivalents suicidaires, par des pleurs, on a cette idée, et effectivement beaucoup de personnes qui ont ce type de parcours, beaucoup ne manifestent pas de culpabilité, mais quand ils en ont, c'est ainsi qu'elles s'expriment. Ce n'est pas le cas pour l'accusé, et ce dont, là où nous pensons qu'il y a une réelle question de la part de l'accusé, c'est véritablement, il y a une reconnaissance, mais il y a aussi le fait de se demander qu'est-ce qu'il peut faire pour réparer. Et la question de la réparation est chez lui actuellement une question. Et nous avons conclu avec mon collègue que ce n'est pas une question de circonstances, ce n'est pas une question stratégique, c'est une question réelle. Je veux dire que même par rapport aux victimes, il y a un cheminement dans sa psychologie. And one last question on this issue of remorse and guilt. Would the victims, and once again, I would request you to think from the perspective of a witness, of a victim, be satisfied and their suffering be unburdened if an accused were to express general guilt in the sense, I'm sorry for the crimes of the Khmer Rouge, but I was not directly responsible. Would this be of any consequence to the victims? Est-ce que ce genre de reconnaissance de culpabilité est d'un secours pour les victimes? Non, monsieur le procureur, ce n'est pas d'un. Je ne pense pas. Je ne peux pas parler à la place de la victime, mais vous m'avez invité à nous mettre à la place des victimes. Certainement non. Par contre, la question, ce qu'il faut
peut-être avoir en tête, c'est que c'est la priorité de Dutch, une fois encore, à savoir qu'il ne, il raisonne toujours en mathématicien et il raisonne toujours selon la logique. Il veut bien admettre ce qu'il est, ce qui est prouvé, et ce qu'on ne peut pas, ce qu'on ne peut pas prouver ou ce qui n'est pas de son fait, il ne l'admet pas. Par exemple, je crois qu'il refuse de porter la responsabilité entière du régime Khmer Rouge. Il accepte l'entière responsabilité de ce qui s'est passé à S21. Donc, ce fonctionnement-là, ce fonctionnement psychologique est présent. Ça fait partie de la personnalité de Dutch, mais c'est pas très aidant, effectivement, et soulageant pour les victimes. Mais je pense important de dire aussi qu'il se pose lui-même la question de savoir qu'est-ce qui peut aider et qu'est-ce qu'il peut faire pour réparer les victimes. Dr. Sunbaunat, actually I share the same opinion as Madame Francoise-Guilbaud, but as a victim, I may not be in the position to express my psychological reaction or my individual opinion, because I am here to perform the duty, the standardized or internationalized duty. Mr. President, I understand I have about 5 to 7 more minutes, but would I be, with your indulgence, granted another additional 5 minutes and I shall conclude this line of argument? Est-ce que vous pourriez m'en donner 5 de plus pour que je termine mes questions? The President, you may now proceed. Oui, je vous en prie, dit President. President. Professor Sironi-Guilbaud, a lot of victims who have come to this court have said in public and before this court that they do not understand this very mathematical psychology of the accused that you mentioned, that he continues to live this day. He refuses to accept, according to them, their victimhood because of absence of a document from S21. The accused has said, not in all cases, but in a number of cases, that if there is no name in the prisoner's list, he cannot acknowledge that victim went to S21, or there is no other document from S21. He would not acknowledge the victimhood of that victim. Victims, as a result, have felt a sense of non-acknowledgement by this accused of their victimhood, despite the fact that he claims to express remorse and guilt. This is just a comment. Would you wish to say anything on that? Otherwise, I can proceed to my next question. Mais est-ce que vous avez quelque chose à dire en réaction à ce commentaire? Nous sommes ici, nous avons prêté serment ce matin pour dire toute la vérité. C'est un commentaire, mais je voudrais ajouter un des thèmes qui a été aussi évoqué la semaine dernière avec Dutch concernant son cheminement. Nous avons été attentifs à l'analyse de son cheminement psychologique, dans quelle mesure il a avancé et là où il est resté comme il est. La religion est probablement une issue pour lui, est un chemin thérapeutique. C'est le sien, c'est celui qu'il a choisi. Il le dit lui-même, et donc je me sens autorisée à le dire ici devant la cour. Il a évoqué la question dans la religion chrétienne. Il a parlé d'un précepte qui dit « Tu aimeras Dieu comme ton... »
Pardon, tu aimeras ton prochain comme Dieu t'a aimé. Nous avons aussi une discussion sur, ça suppose donc aussi, on parlait des ennemis, on parlait aussi des autres, on a évoqué les victimes, ceux qui ne pensent pas comme nous, et cette discussion n'avait rien d'une banale discussion. Il s'agissait réellement de nous rendre compte où en était l'accusé par rapport à cette prise de conscience de l'autre. Et il nous a dit qu'il était à ce point-là, dans ce processus-là, mais que ce n'est pas simple pour lui, qu'il y a des difficultés à sortir de ce mécanisme de fonctionnement mathématique, de cette construction Khmer Rouge, etc. Ce n'est pas parce qu'un accusé affirme quelque chose que nous croyons obligatoirement, mais nous en avons bien sûr discuté et il y a ce point dans la vie de Dutch aujourd'hui. C'est une difficulté pour lui, mais il n'est plus comme il était même il y a quelques mois. Je suis peut-être long, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a ce cheminement et cette prise en compte de l'autre, ce n'est pas automatique et ce n'est pas simple pour l'accusé qui utilise le biais de la religion comme thérapie pour l'arriver. Thank you, Professor. And my last two questions, Mr. President, would be on the issue of rehabilitation. Now, you have devoted a short but very important chapter on the question of rehabilitation in your report. And you say that accused may be rehabilitated amongst ordinary civilian people because he has shown that tendency of living in civilian areas. Would you agree that for the purposes of rehabilitation, just as it is important for the individual to be ready for rehabilitation, it is equally, in fact, maybe more important for the rehabilitating surroundings, the people amongst whom he is rehabilitated, are also ready for that rehabilitation. Most of the people in this country have some kind of suffering from the times of the Khmer Rouge. Do you think, despite your finding that he may be rehabilitated, unless there is an absolute individualized remorse and an absolute unqualified guilt for the crimes, that rehabilitation may be difficult because people may not find it acceptable to have an unremorseful person amongst their midst? And I'm not asking only in the Cambodian context, and that's why the question is directed to Professor Sironi, as to how would a victim perceive this of an accused from whom he or she may have direct feeling of victimhood. The President, we note Mr. Francois who is on his feet. Je vous remercie, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. I object to this question, which based on the principle that Duke would not have any form of individual remorse and that Duke would not have the totality of his responsibility. De répondre à une question fermée. Dites-lui, le procureur affirme qu'il n'y avait pas reconnaissance totale de responsabilité, mais ne faites pas comme si cela était acquis.
state this as being c'est votre a reality. Hypothèse. This is your hypothesis. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. Je souhaiterais que ce soit rectifié. So, and I would like this to be corrected, indeed. The President, the Chamber would like now to give the floor to the International Co-Prosecutor to provide his observation regarding the objection made by the Defense Counsel. Your Honours, my learned friend is indeed a very experienced counsel at international tribunals. At those tribunals, including at this tribunal, there's a difference between a fact witness and an expert witness. There is settled jurisprudence that while with a fact witness you can only ask them about what they saw, heard, or went through, with an expert, because he or she has been asked by the court to come and assist, because he has a special expertise. Questions can be asked to elicit their opinion. That's why, Your Honours, give a direction to a fact witness that you shall only say what you saw, heard, or went through. Your Honours did not give that direction to these honourable experts because they are experts from Cambodia and internationally who are assisting Your Honours in finding out about the psychological characters of this accused and its relevance for ascertaining his liability for the crimes before which he is being indicted. So my limited response is that questions seeking opinions can be asked to the experts. Certainly, had there been fact witnesses, those questions would have been inadmissible. Ma question aurait sans doute été irrecevable dans le cas d'un témoin factuel, mais tel n'était pas le cas ici. The President, Mr. Francois Roux, you may respond. Je vous en prie. Je pense que j'ai mal dû me faire comprendre. I probably didn't make myself understand. Je ne conteste pas la possibilité de demander aux experts leur opinion. Je conteste le fait que vous affirmiez quelque chose comme si c'était une vérité, alors que c'est votre opinion. Donc, dites à l'expert, le procureur pense qu'il n'a pas tout dit. Et dans ces conditions, est-il réinsérable? Mais ne dites pas à l'expert, il n'a pas tout dit, j'affirme qu'il n'a pas tout dit, et donc est-il réinsérable? Expliquez à l'expert que c'est votre opinion que vous êtes en train de donner. C'est juste ça, la réflexion que je me faisais. Que je faisais, pardon. The President,
It is now appropriate time for an adjournment. Le moment est venu pour observer la pause. And it is important for the interpreters to have a break. Il est important que so the chamber will have 15 minutes break. Nous allons donc observer une pause de and 15 we will minutes. Resume at a quarter past three. Nous reprendrons à court officer, can you provide necessary refreshments to the experts and invite them to be back before the chamber at the set time? Et je les invite All right, à says the greffier. Veuillez vous lever, dit le greffier.